Avant d'entamer les trois jours des quatre portes, donc semaine, on va démarrer par deux portes, ce qui va nous permettre de simplifier le travail et l'exercice pour bien rentrer dedans. D'abord, qu'est-ce que le prong? Le prong, c'est creuser légèrement la poitrine, sortir la force dans le dos, donc c'est arquer un petit peu le dos, de façon à sortir le bras de façon circulaire et avoir une force d'expansion suffisante comme un bouclier qui renvoie l'énergie vers l'extérieur. Donc on va démarrer avec un poussé du partenaire, Anne, un prong pour contrer, okay, l'autre bras uniquement posé sur le coude. Okay. Ici, à partir de là, je vais transformer avec une rotation tout en gardant ce bras qui était... Cette main qui était collée au coude, garder le collé avec tout le bras, je vais tourner la taille, aller chercher par-dessous le deuxième bras, puis transformer en âne pendant que l'autre partenaire transforme de suite le prong. Okay? Donc en fait, on travaille sur les deux yang, hein? Prong, âne. Voilà, ici, on tourne, reste collé, descend bien dans le tantien, on enlève la poussée et on retrouve de suite le prang et le han. Rotation, prang, han. Rotation, prang, han. Donc vous commencez comme ça, de façon arrêtée. Hein. Vous arrêtez sur chaque mouvement, prang, han, pour bien les distinguer. Et ensuite, vous faites un travail fluide avec votre partenaire. Hein. Je vais vous montrer. Ensuite, fluide.